Bonjour, c'est Anne. Alors écoutez, je reviens pour vous transmettre un nouveau message. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, alors ben, j'avais commencé à enregistrer un message, puis j'ai plus de batterie, du coup ça a coupé. Du coup, ben, je vais recommencer, je vais récapépéter depuis le début. Voilà, j'étais en pleine canalisation, là j'étais en train de recevoir un beau message et ça a coupé. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà trois cartes qui sont là. Alors je vous présente ma nouvelle acquisition, là, l'oracle de l'énergie de la Lémurie. Voilà. Et donc, je vous disais que c'était un signe de trouver cet oracle, c'est un signe des Pléiadiens, voilà, parce que je suis en contact avec eux, avec ce petit peuple étoilé, cristallin et très élevé en vibration. Ils m'ont déjà donné un disque médecine que j'ai reçu par canalisation, hein, que je propose sur mon site. Et je propose également des soins via leur canal parce que voilà, je me sens proche de ces êtres. Et donc, ils détiennent une médecine qui nous aide à ascensionner et à apporter une clarté en fait dans nos énergies, dans notre aura et au niveau de notre âme. Et du coup, j'ai prévu les soins de l'âme pour régénérer l'âme du 22 au 26 juillet. Que je propose pour tous, hein, pour ceux qui veulent s'inscrire, et je comptais passer par leur canal. Et là, comme par hasard, je me rends dans une boutique et je tombe sur cet oracle qui m'a littéralement attirée. Et j'ai déjà fait une guidance avec, j'ai posté une guidance écrite là dans l'onglet co-communauté. Et je sens que cet oracle, c'est un support pour canaliser les Pléiadiens et le petit peuple de Sirius et d'Orion. Voilà, du coup c'est magnifique, c'est un magnifique signe de leur part, ils sont là, ils nous accompagnent. Et du coup dans la guidance que j'ai reçue par écrit, que j'ai postée là sur la chaîne, ils nous disent qu'actuellement il y a des personnes qui reçoivent des énergies, des informations et des codes divins de leur part. Et là ce que j'ai entendu, ce que je vous partageais dans ma vidéo qui a coupé, c'est que le portail du 7-7 a ouvert un couloir, une porte qui permet à ces êtres de mieux entrer en contact avec nous. Et actuellement, on reçoit une lumière, un rayon, des messages provenant du coup des Pléiades de Sirius et d'Orion. Donc du coup, je suis appelée à vous faire une guidance pour vous transmettre un petit peu leur message, puisqu'apparemment, cet oracle me sert de support de communication avec ce peuple avec qui ben, j'ai tissé un lien particulier. Ils m'ont offert, ils m'ont donné un disque médecine et je passe par eux parfois pour donner des soins. Voilà. Alors là, pour commencer, je reprends, je vais essayer de vous faire un résumé de ce qu'ils m'ont dit. On a la carte de l'infini. Et donc ici, ce que je vois, c'est que depuis le portail 7-7, depuis la nouvelle lune, là, il y a un couloir énergétique qui s'est ouvert et nous sommes nombreux à recevoir des énergies et des codes lumière provenant des Pléiades, de Sirius et d'Orion. Et que ces énergies, elles sont là pour nous aider à développer notre unité intérieure sur Terre. Et je vous disais que la Terre, sur la Terre, au niveau de l'humanité et des consciences, il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de pouvoir malsain, et il n'est pas toujours facile de trouver et de développer cette unité intérieure et surtout de la garder sur le long terme. Et donc là, ce petit peuple nous envoie des énergies particulières pour nous aider à développer cette unité intérieure, et c'est ce qui peut se produire chez certains d'entre nous en ce moment particulier, en ce mois de juillet 2024, ou quand vous regardez la vidéo. Voilà, donc il y a cette notion d'unité intérieure à trouver, à développer, à renforcer et à incarner. Donc il y a ce processus-là qui peut se produire chez certains d'entre nous. Et on vous dit que ce processus en cours, que cette énergie qu'on reçoit de ces peuples, vient faire émerger certaines choses enfouies en nous. Donc on nous parle de nos parts cachées, de tout ce qui est caché, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qu'on n'utilise pas, de tout ce qu'on a mis de côté. Eh bien, toutes ces parts cachées cherchent à se réveiller et à être révélées au grand jour.
Donc on peut en effet accueillir certaines prises de conscience et vivre comme un éveil, une activation intérieure de nos parts enfouies, de nos parts cachées. Donc il y a comme une activation, une découverte intérieure pour aller accueillir toutes ces parts cachées qui remontent. Alors pour certains, ce peut être des émotions cristallisées qui se libèrent et qui remontent aussi. Donc il peut y avoir des remontées émotionnelles désagréables. Si c'est votre cas, c'est positif puisque ce sont des énergies cristallisées dans votre corps qui se décristallisent. Donc c'est une libération. Mais aussi cet éveil intérieur peut provoquer des remontées, des ouvertures au niveau de la conscience sur le plan de la pensée aussi. Donc ce peut être des dons, des talents, des vertus, des mémoires, des souvenirs. Donc je vous disais qu'il est important d'aller installer des instants de calme, de communion, de méditation pour pouvoir accueillir ces parts cachées, ces parts enfouies qui remontent et qui cherchent à être révélées et accueillies. Voilà. Et du coup, il me donne une précision par rapport à ces parts cachées, ces parts enfouies qui peuvent remonter à la surface et être mises en lumière. Il nous parle de nos mémoires et de nos souvenirs. Il nous parle de notre passé. Comme quoi des choses qu'on a mises de côté peuvent revenir à la surface. Donc ce peut être des guérisons, des blessures qu'on a mis de côté et qui reviennent à la surface afin qu'on s'en occupe. Ce peut être des activités, des passions, des loisirs qu'on a mis de côté, qu'on ne fait plus et qui serait bon de reprendre. Ce peut être aussi un projet, des idées qu'on a mis de côté et qui demandent à refaire surface afin qu'on s'en occupe, afin qu'on reprenne ce projet, afin qu'on concrétise cette idée. Donc ici, il nous parle de passé, de mémoire et de souvenirs qui peuvent remonter à la surface afin qu'on s'en occupe. Et ils nous disent que cela est bon pour notre avenir et notre futur. Que tout ce qu'on peut accueillir en ce moment, dans notre présent, va nous servir pour notre futur. Donc ce qui remonte à la conscience, ce qui remonte en pensée, ce qui remonte en émotion, ce qui remonte en souvenir, ce qui refait surface, apparemment est important et est en lien direct avec notre futur. Donc c'est à nous de prêter attention un petit peu à ce qui nous traverse, à ce qui nous habite. Cet éveil intérieur, il peut provoquer des signes et des synchronicités dans notre vie pour nous permettre de nous créer des déclics et pour poser les actions justes derrière. Donc voilà, c'est une période quand même assez importante où il est temps de prendre soin de nous, de passer du temps avec nous-mêmes, et bien pour pouvoir accueillir comme il se doit cette lumière qui nous a envoyée et pour pouvoir accueillir, découvrir ce qui remonte, ce qui refait surface, pour pouvoir du coup nous mettre en action et façonner notre présent pour prévoir notre avenir. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est le message que j'ai reçu et que je vous ai transmis dans la fameuse vidéo qui a coupé. Voilà. Et donc là, je vais continuer le message. On va compléter avec d'autres informations. Qu'est-ce que le peuple des Pléiades aurait d'autre à nous transmettre? Les Pléiades, et Sirius et Orion aussi apparemment, qui sont en lien direct avec ce peuple, disons qu'ils portent des fréquences cristallines, ce sont de très hautes fréquences cristallines et arc-en-ciel, et c'est pour ça que j'ai entendu l'information de transmettre les soins de fin juillet par leur canal, parce qu'apparemment il y a une porte qui s'est ouverte le 7-7. Donc, ils sont à l'œuvre dans nos énergies actuellement. Donc, profitons-en, puisque ce sont de très belles énergies, des fréquences très élevées et cristallines. Voilà, donc c'est une période de réceptivité, hein. C'est une période de grande réceptivité où on peut recevoir une grande lumière et de grands messages provenant des étoiles, provenant des Pléiadiens et de Sirius. Donc on peut recevoir des guérisons, on peut recevoir des rayons de lumière cristallins et on peut recevoir des informations.
Et donc, pour pouvoir vivre cette activation, cet éveil intérieur, on a besoin de se mettre en accueil et en réception. Donc, méditation, communion, instant de calme, de silence, en retrait du monde, c'est très important pour nous permettre d'aller éveiller ces parties de nous enfouies, mises de côté, endormies, et pour pouvoir utiliser pleinement en conscience cet instant présent qui est important et précieux, et spécifiquement en ce moment, puisqu'apparemment il y a une porte qui donne direct vers les étoiles en ce moment. Voilà, donc on peut recevoir des codes lumière, des codes divins particuliers qui se réactivent au niveau de notre aura aussi. Alors il est bon, moi on me parle des lieux, il est bon de se rendre dans des lieux énergétiques aussi, de se rendre à la montagne, de se rendre au bord des lacs et des rivières, d'aller dans des lieux calmes et paisibles et d'éviter la foule. Hein, puisque juillet-août, il y a des endroits très touristiques et très fréquentés où il y a beaucoup de monde et ça crée des interférences eh bien, par rapport à cette réception de lumière, d'énergie et de messages. Donc là où, en fait, ce qui est conseillé, c'est d'essayer d'aller se mettre au calme, au vert, loin de la foule. Comme ça, cela nous permet de mieux recevoir les énergies, les informations et les messages que ces peuples ont à nous transmettre. Et apparemment, c'est important. Et ces énergies qu'ils nous envoient peuvent faire effet déclic chez certaines personnes. Si vous vous sentez coincé, bloqué dans une situation ou à l'intérieur de vous, si vous sentez qu'il y a des résistances, que ça coince, on vous dit que le fait de vous mettre en accueil pour réceptionner leur énergie et leur lumière va vous débloquer. Donc ça peut débloquer votre corps, débloquer vos énergies, débloquer votre intérieur et débloquer votre vie, une situation qui est coincée. Mais vous avez besoin pour cela de vous mettre en accueil et il est conseillé de se rendre dans des hauts lieux énergétiques, à la montagne, au calme, à la campagne. Voilà, parce qu'en fait, le fait d'être conscient que ce peuple actuellement souhaite nous aider, nous envoyer des énergies, et le fait de les accueillir en conscience nous permet tout de suite une évolution. Ça nous permet d'accueillir un résultat quasiment instantanément et de vivre tout de suite derrière une évolution. Donc en fait, ce peuple, il est là pour nous aider, ils sont là pour nous propulser en avant. Donc ils peuvent accélérer les guérisons. Ils peuvent débloquer les résistances intérieures, ils peuvent ramener l'énergie vitale dans le corps, ils peuvent débloquer les chemins de vie dans le sens où si vous accueillez cette lumière, elle va passer par vos corps énergétiques, par votre coronal, mais elle va s'ancrer dans votre corps physique, elle va s'ancrer dans la terre, dans votre lieu de vie, et cette énergie va se diffuser tout autour de vous, ça va changer votre vibration, et vu qu'on attire ce qu'on émane, eh bien, ça peut bloquer. Débloquer les situations et les chemins de vie qui sont bloqués. Et ça peut vous apporter une évolution, une avancée quasi instantanée, on me dit. Mais pour cela, il faut prendre le temps d'accueillir ces énergies dans le calme et en retrait du monde, en retrait du bruit. Donc c'est un message important que je vous transmets aujourd'hui, afin que tout le monde soit conscient et au courant de ce qui se passe et qu'actuellement il y a une intervention de ces peuples dans nos énergies et sur la Terre. Depuis le 7-7, ça s'est ouvert le 7-7. Et donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, ça peut durer plusieurs jours, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être jusqu'à la prochaine nouvelle lune ou jusqu'à la prochaine pleine lune. Voilà, donc en fait, on change de fréquence, cette intervention stellaire nous permet de changer de fréquence vibratoire et d'apporter un changement évolutif et positif sur nos chemins de vie et sur nos situations actuelles. Donc, ces peuples stellaires sont en intervention actuellement
pour aider la Terre et l'humanité. C'est ce qu'on me dit. Alors, si vous souhaitez mieux recevoir leur énergie, vous pouvez vous inscrire aux soins du 22 au 26 juillet. Ces soins qui sont là pour régénérer l'âme et qui sont donnés par ce petit peuple, ça peut vous aider à réceptionner ces énergies. Je propose également à la vente le disque médecine cristal, médecine Pléiade, qui est un support aussi pour vous aider à recevoir leur énergie. Et puis sinon, vous pouvez vous procurer cet oracle, l'énergie de la Lémurie, qui pour moi est vraiment un support direct de communication avec ces êtres. Voilà, alors également, les énergies qui nous envoient provoquent des ouvertures et des expansions au niveau du cœur, intensifie la libre circulation de l'énergie d'amour dans tous nos corps et dans notre cœur. Et également, vu que ce sont des énergies cristallines très élevées, elles régénèrent l'âme, ces énergies régénèrent l'âme et reconnectent l'âme à sa source. Et donc, du coup, ce qui emmène à vivre, à accueillir et à développer une meilleure unité intérieure, à se sentir uni avec le grand tout, à se sentir ne faire qu'un avec le divin et avec notre âme. Donc, le fait d'accueillir ces énergies nous emmène un grand bien-être, un grand apaisement intérieur. Et c'est très bon pour l'âme. Voilà, donc ici on voit en fait l'éveil intérieur, l'éveil surtout au niveau du bas-ventre, du chakra sacré, que créent ces énergies. On les accueille par notre coronale, elles circulent tout le long de notre colonne de chakra et elles s'activent là au niveau du ventre. Elles s'activent au niveau du cœur et elles s'activent au niveau du bas-ventre, du chakra sacré. Et c'est ce processus dont je vous ai parlé qui crée comme un éveil intérieur et qui déloge un petit peu tout ce qui est enfoui. Donc on peut avoir des élans créateurs, un élan de créativité, une meilleure vitalité, des montées de Kundalini, se relancer sur un projet, concrétiser une idée, ce genre de choses. Et cette lumière, cette énergie, elle redynamise le corps. Et donc cette énergie, cette lumière, elle est disponible. On a juste à se mettre en accueil, en conscience. Et donc c'est un beau signe hein, provenant de leur part, puisqu'on me fait faire ces soins de l'âme spécifiquement là, en juillet. Donc il n'y a pas de hasard. Hein. Je sais que ce peuple intervient souvent pour aider la Terre et l'humanité. Et là c'est vraiment une synchronicité avec cet oracle incroyable. Hein. Qui correspond parfaitement aux soins que je comptais faire. Donc cette énergie, elle est vraiment là, elle est vraiment accessible. Donc profitons-en, c'est vraiment un cadeau. Alors, vu que cette énergie, elle va déloger un petit peu tout ce qui est cristallisé en nous, elle va nous aider à vibrer davantage l'amour depuis notre cœur. Elle va expanser, ouvrir notre chakra cœur. On voit aussi que cette énergie peut avoir un effet positif si elle est accueillie en conscience sur notre sphère relationnelle et amoureuse. Donc elle peut provoquer des retrouvailles, des rapprochements, de l'osmose dans les couples, un regain d'amour dans les couples, des pardons, des réconciliations suite à des conflits, une nouvelle harmonie. Donc on voit que cette énergie, si nous l'accueillons, elle peut agir et éventuellement aussi sur notre sphère relationnelle et amoureuse. Et on voit que cette énergie, elle harmonise nos deux parts, ombre et lumière, masculin et féminin, qu'elle participe vraiment au développement de notre unité intérieure et au développement de notre pilier de lumière.
Elle purifie carrément toute notre colonne de chakras. Elle remplit de lumière notre colonne de chakras. Elle renforce notre rayonnement. Elle purifie, elle renforce notre aura. Donc c'est vraiment précieux de pouvoir en avoir conscience et de se mettre du coup en accueil. Voilà, on nous parle même de la flamme violette, hein. Donc c'est une lumière qui nous est envoyée, qui est accessible, qu'on peut réceptionner en conscience, qui vient vraiment nous nettoyer de l'intérieur, nettoyer tous nos chakras, tous nos corps, notre aura, et surtout déloger, purifier, nettoyer tout ce qui est enfoui, profond et cristallisé. Donc c'est vraiment un cadeau. Alors cette lumière, elle vient également nous stimuler au niveau du chakra-gorge. Hein. Quand elle va passer par le chakra-gorge, elle va enlever les nœuds au niveau de ce chakra. Donc toutes les blessures d'expression vont pouvoir se guérir. Et c'est une lumière qui nous emmène dans nos profondeurs et qui nous aide à développer notre unité intérieure et du coup à être davantage reliés à notre vérité intérieure. Et cette lumière, elle va nous aider à exprimer cette vérité que nous découvrons. Donc tout ce que nous découvrons là, qui se déloge au fond de nous grâce à cette lumière, peut être important. On peut vraiment découvrir des vérités cachées, des vérités sur nous-mêmes, recevoir des formes de révélations sur nous-mêmes, sur notre vie. Je ressens qu'on peut recevoir vraiment des informations, des révélations importantes par rapport à nous-mêmes. On peut même recevoir des informations par rapport à notre mission d'âme, à notre mission de vie. Donc apparemment, c'est très important de se mettre en accueil parce que le fait de réceptionner cette lumière nous permet vraiment d'évoluer et d'avancer et de nous rapprocher de notre vérité intérieure et de nous aider à l'exprimer, cette vérité. Donc c'est super important en fait. Voilà, donc je remercie ce petit peuple. Voilà, donc ici on nous parle de notre plexus solaire et de notre rayonnement, que le fait d'accueillir cette énergie va agir principalement sur notre rayonnement, sur notre charisme, qu'on va pouvoir attirer à nous avec plus de facilité, et que donc en restant positif, nous allons pouvoir aussi accueillir des synchronicités et des événements particuliers dans notre vie qui sont là pour nous faire avancer. Donc j'entends même que pour certains, ce peut être un saut quantique. C'est une véritable chance d'évoluer, de faire un bond en avant, que d'accueillir et réceptionner cette lumière en conscience qui est disponible et qui est accessible pour tous. C'est ce qu'on me dit. Donc si vous souhaitez évoluer, débloquer votre situation, débloquer votre corps, accéder à des parties plus profondes de vous-même, recevoir des messages concernant votre âme et sa mission de vie, eh bien, organisez-vous là des petits temps d'accueil, de retrait, de communion, de méditation. Faites savoir à voix haute que vous êtes prête à recevoir cette énergie. Adressez-vous directement aux Pléiadiens ou au petit peuple de Sirius et d'Orion. Allumez une petite bougie en leur honneur, en guise d'offrande pour leur aide. Et donc, rester comme ça en méditation, en réception, en lotus ou allongé. Posez-leur des questions s'il le faut et faites attention à ce que vous pouvez ressentir, voir à l'intérieur de vous, autour de vous, dans les heures et les jours qui suivent. Et vous pouvez le faire assez souvent jusque fin juillet. Voilà, je sais pas, on me donne pas de temps. Alors c'est peut-être par rapport. Je pense que je ressens que ce portail s'est ouvert au niveau de la nouvelle lune qui était le 5 juillet du portail 7-7. Donc c'est peut-être. Ces énergies peuvent être à l'œuvre jusqu'à la prochaine pleine lune ou jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Voilà, donc profitons-en. Alors il y a les soins du 22 au 26 juillet si vous souhaitez aussi. Voilà, sinon ben, il y a le disque médecine des Pléiades aussi, hein, qui est accessible sur mon site, que vous pouvez commander. Et il y a cet oracle, si vous voulez, voilà, l'énergie de la Lémurie. Voilà, si vous voulez. Mais donc, ces énergies sont à l'œuvre et sont accessibles pour tous, et elles sont vraiment facteurs
d'évolution et d'éveil. Donc voilà, profitons-en. Moi, en tout cas, j'avais ce message important à vous transmettre. Donc voilà, j'ai fait ma part. Je remercie infiniment ces peuples étoilés. Voilà, donc je souhaite un bel accueil à tous. Profitons de cette période pour nous apaiser, nous recharger, nous purifier, accueillir ce qu'on a besoin d'accueillir, et bien pour pouvoir évoluer et avancer vers notre meilleur et vers l'incarnation de notre haut potentiel. Voilà, donc je remercie infiniment ces êtres d'amour et de lumière qui sont vraiment précieux. Je vous remercie tous. Voilà, merci de votre présence, de votre accueil, de votre confiance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.